La réalité d'être trans, c'est que le corps et le genre, ça n'a rien à voir. Être transgenre, c'est un bouleversement. Nous avions suivi les premiers pas de la transition d'Isaac, Laura ou encore Cédric. 5 ans plus tard, vous allez découvrir où ils en sont. Honnêtement, aujourd'hui, je veux plus un enfant que me marier. J'ai toujours la même personnalité, j'ai toujours mes doutes. Pour certains, c'est une révélation. Pour d'autres, le chemin est plus difficile. L'idée, c'est que dans 15 ans, elle me dise pas « mais tu m'as laissé faire n'importe quoi ». Pour la première fois, nous levons le voile sur un sujet qui dérange, la détransition. J'ai fait une transition à un assez jeune âge et je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me convenait. Transgenre, enquête sur les nouveaux tabous, c'est dimanche dans Zone Interdite, rendez-vous à 21h10 sur M6.